Coucou mes amours, bonjour, bonjour, ici HBM Bizin. Bonjour mes amours, alors ça va chez vous, j'espère. Chez moi tout va bien, voilà. Ce matin on va faire un maquillage pour Noël, voilà. J'ai reçu plein de messages en disant on a fait plein de maquillages pour les fêtes, mais pas précisé pour Noël, voilà. Donc on va essayer de préciser et de faire ses maquillages pour Noël. Voilà, on va essayer de se faire belle pour Noël. Allez, un, deux, trois, c'est parti, mes amours. Alors, on va essayer d'abord, comme d'habitude, mes amours, à hydrater légèrement notre visage. Et comme je l'ai dit, c'est surtout l'hiver. N'hésitez pas à hydrater vraiment votre visage, mes amours. C'est très important. C'est très important. L'hydratage du visage, c'est vraiment, vraiment important. Hydratez vos visages, ne laissez pas l'hiver gâter votre beauté naturelle, comme je le dis tout le temps et je le répète, toutes les femmes sont belles, sauf les méchantes. Alors, comme je sais que mes amours, il n'y a pas de méchantes parmi vous, voilà. Vous êtes des amours et je vous adore. Voilà, on va hydrater le visage légèrement. Voilà, et on va venir chercher notre base qu'on va mettre sur le visage. Vraiment, on va faire un maquillage pour Noël. Et voilà, qui dit Noël, dit les fêtes, voilà. Et c'est bon, voilà. C'est bon Noël. Surtout quand on attend les bons cadeaux. Ah, je sais. On demande Noël parce qu'on pense surtout aux cadeaux de Noël. Comment te dire, vous savez, je suis très nulle hein. Pour chanter, vous savez que je suis nulle, j'ai une de ces voix. Pas bon à écouter, quoi, voilà. Sinon, j'allais chanter pour vous. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. C'est nul, non? Bon, on s'arrête là. Allez, mes amours, voilà, on va venir mettre notre base qu'on va venir bien estomper sur le visage. Vraiment, j'ai pris cette base là, comment on dit, satinée, voilà, qui est bien. Comme on va faire un maquillage qui dit Noël, qui dit un peu de brillance, voilà. Vraiment pour être très, 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 très belle, hein. Voilà, mes amours. Je sais que c'est le but, hein. C'est d'être belle pour Noël, voilà. Et les messages, j'en ai reçu deux ou trois, qui ont vraiment précisé qu'il faut le maquillage pour Noël, carrément, voilà. Qu'on a parlé pour les fêtes de fin d'année et tout, et pas précisé carrément pour Noël, voilà. Donc, vous savez, mes amours, moi, je suis là pour vous. Tant que ça ne dépasse pas mes capacités, tant que je peux le faire pour vous, alors, je fais en fonction de votre demande. Voilà, mes amours, et merci pour beaucoup vraiment qui regardent mes vidéos. Voilà, je suis très, très heureuse. Et merci, surtout abonnez-vous, mes amours. Voilà, il y a des gens qui m'ont demandé, ah, voilà, j'ai regardé ta vidéo, mais pour s'abonner, est-ce qu'on paye et tout? Mais non, pas du tout, il suffit juste de cliquer. Et surtout, il faut mettre un like pour moi. Vous voyez, hein, des petits trucs. Pas ça, hein? Non, 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 ça. Il faut surtout liker quand on regarde les vidéos, s'il vous plaît, mes amours. Il faut liker pour moi. C'est très important. Voilà. Je crois que tout dit, on va essayer de se taire un peu et de faire notre beau maquillage pour Noël. Voilà, on va chercher notre fond de teint, notre beau fond de teint. Et vraiment, on va mettre le fond de teint un peu au max. Voilà, c'est vraiment le maquillage pour Noël et on va vraiment se faire belle. Noël, c'est très important de se faire belle. Et voilà pour. C'est ce qui est bizarre, c'est Noël, c'est un peu pour tout le monde. Vous voyez, voilà. Par exemple, moi, je suis musulmane, mais ça ne m'empêche pas de fêter Noël. Peut-être c'est à cause des cadeaux. Qui sait? Voilà, allez, c'est pour nous. Voilà, on va venir estomper notre fond de teint. Je vais essayer de diminuer un peu la lumière quand même.
Voilà mes amours, j'ai envie de rajouter un tout petit peu de fond de teint. Voilà, c'est vraiment un maquillage pour Noël, donc on va pas trop se priver de produits. On va mettre un peu le max pour obtenir vraiment un teint très beau, un teint surtout beaucoup uniformisé. Il faut uniformiser les teints, il faut que ça soit beau, il faut vraiment faire un beau maquillage, et c'est ce qu'on va faire pour Noël. Voilà, et n'hésitez surtout pas, si vous voulez, voilà, de descendre un peu avec le fond de teint. Comme j'ai dit, surtout quand vous êtes en forme comme moi, vous pouvez vous permettre vraiment de mettre un peu, vous voyez, sur le cou. Voilà, hop. Voilà mes amours, mon fond de teint, il est bien, je le sens bien. Je sens mon visage, il est super bien. Franchement, j'adore ce que je vois, c'est superbe. C'est nickel mes amours. Voilà. C'est bon. Alors, je vais venir prendre. Ah, j'ai oublié mes amours, j'ai reçu un cadeau, mais vraiment. Voilà, ça vient de... Et adopte, voilà, c'est adopte, voilà, vous voyez, parfumerie de France, voilà, ils sont vraiment bien, voilà, adopte, ils sont super bien, et en plus, ce qui est bien, tout est naturel chez eux, et en plus, quand le produit finit, par exemple, la poudre, quand elle finit, je ramène vraiment, voilà, je ramène la boîte vide, et vous avez droit à 20% gratuit. Voilà, 20% sur le même produit. Donc, quand vous prenez ce genre de produit chez Adopt, voilà, c'est vraiment super. Donc, ramenez, même si c'est fini, que ce soit le parfum, la poudre, là, je l'anti-cerne. Et là, j'ai juste un truc pour fixer les rouges à lèvres. Voilà, c'est vraiment un petit cadeau. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, donc, ça vous permet vraiment de ramener le contenu. Non. Le contenu, non, le contenu, je sais pas. Voilà, quand il est vide, et voilà, le temps de chercher pour trouver, je n'arrive pas, quoi, là. Je deviens un peu nulle, là. Bon, voilà, on n'est pas un peu pour le vocabulaire, mais pour le maquillage. Bon, les amours, et voilà, c'est très important. Franchement, ils sont super bien, ils utilisent vraiment des trucs. Ils vont recycler, voilà, une fois ramenés, ils vont recycler le truc. Et ils vont vous faire 20% de réduction, même si c'est un parfum, même si c'est un rouge à lèvres. Quel que soit le produit acheté, vous avez droit à 20% sur le prochain. Donc voilà, ça en vaut la peine. En plus, franchement, c'est des produits hyper bien. Voilà, donc on va venir mettre notre anti-cerne. C'est le nouveau anti-cerne. Voilà, donc ça sort pas encore. Je sais pas, il faut tourner combien de fois pour que ça sorte. C'est la première fois que je vais utiliser l'air anti-cerne. Voilà, je le fais devant vous, mes amours. Et voilà, je vois qu'il faut tourner pour faire sortir le produit. Peut-être que je le fais le sens inverse, je n'ai aucune idée. Mais bon, je ne sais pas. Et je vois. Voilà, voir que ça commence à sortir. Ah, ok. Ah, d'accord. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est super pratique. C'est vraiment la première fois que j'utilise un produit de chez eux. C'est vraiment un cadeau. Merci beaucoup. Et voilà, on va essayer tous ensemble. Avec vous, mes amours, pour voir exactement ce que ça donne. Mais j'ai l'impression vraiment, déjà, j'aime beaucoup la texture de l'anti-cerne. Voilà, on va essayer de faire un peu moins de lumière pour voir. Franchement, j'adore la texture d'anti-cerne que je vois. Elle est superbe. Ah, ok, je comprends la technique. Ne vous inquiétez pas, mes amours. Voilà. C'est pour Noël, donc n'hésitez pas à faire
vraiment aller un peu plus là. Et on va venir mettre là pour bien estomper notre poudre à paupières tout à l'heure. Et voilà, on va essayer de mettre là. Voilà, mes amours, comme je dis, c'est vraiment pour Noël. Alors, n'hésitez pas, voilà, à mettre un peu le maximum. On va venir mettre, voilà. Voilà, on va faire vraiment un maquillage qu'on n'a pas fait d'habitude. Et on va venir estomper tout ça avec le même qu'on a utilisé tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? Pour le fond de teint. Alors, ben non, c'est, je peux toutefois utiliser celui-là. D'ailleurs, je préfère. Voilà, pour estomper mon anti-cerne. Il est super, ce pinceau, pour estomper l'anti-cerne. J'aime l'utiliser très souvent aussi. Voilà. Les produits, mes amours, l'important, ce n'est pas d'enlever. C'est l'anti-cerne que vous avez mis, en fait. Donc, ne tirez pas trop, trop comme ça en enlevant. Mais c'est de venir estomper vraiment pour que ça reste sur le visage. C'est le but. Voilà, ne l'enlevez pas, ne tirez pas trop, trop comme ça. Ça enlève vraiment le produit. Donc, le but, c'est surtout d'estomper notre anti-cerne. Et vraiment, pour obtenir un beau maquillage, voilà. Je vais prendre mon contouring. Voilà, je vais prendre un petit pot, un autre pinceau, voilà, toute petite pince, que je vais venir prendre un peu le contouring, comme il est un peu large, et prendre sur le pinceau pour venir utiliser un peu là. Voilà, vous voyez bien mes amours. Mais franchement, voilà, n'hésitez pas mes amours. Voilà, faites-le, faites-le, c'est important. Voilà, c'est Noël. Et voilà, on va vraiment essayer de se faire belle au maximum. Voilà. Et on va venir estomper tout ça ensemble. Il est où ce gros pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure pour le fond de teint? Voilà, il est là. Voilà, je vais venir estomper tranquillement. Voilà. Mon contouring, comme j'ai dit, le but franchement c'est d'estomper mes amours, c'est vraiment pas de frotter frotter et de faire tout partir. Voilà, c'est pas le but. Voilà, c'est surtout pour permettre de vraiment bien estomper votre contouring. Voilà, le but ce n'est pas de faire partir, mais plutôt de les garder. Voilà, d'essayer de faire bien estomper sur le visage. Voilà, je suis contente du résultat. Vous voyez, mes amours, je suis vraiment contente du résultat. Et je vais ajouter un tout petit peu d'anti-cerne encore. C'est pour Noël, alors n'hésitez pas, mes amours. Voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et je suis contente de ce nouveau produit, voilà, que je connaissais pas trop vraiment. Adopte, hein, voilà, je vois qu'ils sont bien. Ils sont un peu partout, voilà, ils sont là. À Grand Littoral, à Marseille, voilà, vous avez le magasin à Grand Littoral. Et franchement, je suis satisfaite. J'adore, j'adore, j'adore l'air anti-cerne. Franchement, les amours, c'est pas parce qu'ils m'ont fait ces petits cadeaux. Non, 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 c'est pour de la vérité. C'est super. Franchement, c'est super bien.
Voilà, on a fini notre truc. On va chercher la poudre, voilà, pour venir estomper tout ce qu'on vient de mettre. Hein. Tranquillement, voilà. On va chercher. Voilà, surtout mes amours, comme c'est pour Noël, mettez beaucoup la poudre, surtout sur les parties que vous avez mis votre anti-cerne. C'est très important, voilà, de mettre la poudre surtout sur les parties où il y a. N'hésitez pas à estomper un peu quand vous avez trop de poudre comme ça enlève tous les petits bobos. Voilà, à estomper surtout votre poudre sur les parties où il y a l'anti-cerne. C'est très important, mes amours. Voilà, maquillage pour Noël. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Oh là là, que la goëlle a une mauvaise, mais vraiment une vilaine voix. Donc, pas question de chanter. Je suis trop nulle en chanson. Voilà, mes amours. Voilà, je vais faire tapa. Alors, comme je l'ai dit, surtout pour Noël. Voilà, on est bien là. On va bien encore estomper notre contouring. Voilà. Pour l'instant, mes amours, pour la poudre, vous voyez, je n'ai pas touché la partie que j'ai utilisée pour le contouring, mais on va revenir pour tout à l'heure. On va uniformiser tout ensemble. Donc, pour l'instant, j'ai mis surtout du côté. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment très joli et je ne sais pas si la couleur de la lumière permet bien. C'est vraiment très, très beau. C'est. Je sais pas si c'est encore mieux ou pas. J'ai un petit souci de lumière souvent, moi. Voilà. Et je préfère. Voilà, c'est bon. Ça fait plus naturel. Je vois qu'on voit un peu plus. Voilà. Et on va encore reprendre un peu notre anti-cerne qu'on va venir utiliser un tout petit peu là. Hop. Voilà. Voilà, mes amours. Ok. That is good. Ok, mes amours, voilà. On va venir bien estomper tout ça. Tranquille. Ah, j'adore ces anti-cernes. Franchement, il est facile à travailler. Et il est super. Il est très, très pratique, mes amours. Franchement, il est super. Il est super. Il est super. Voilà, donc, on va laisser là pour l'instant le visage se reposer tranquille. Estomper un peu avec les doigts s'il le faut. Voilà. Et on va venir chercher notre crayon marron qu'on va utiliser du coup pour le jour. Voilà pour notre sourcil. Voilà, je vais les réveiller. Comme je dis, je n'en ai pas assez. Et aujourd'hui, je vais dépasser légèrement. Voilà. Hop. Voilà. Attendez que ça ne soit pas plus long quand même que l'heure de mon nez. Voilà. Vous voyez, mais vous pouvez permettre de dépasser légèrement. Voilà pour avoir vraiment un maquillage plus naturel. Voilà. Voilà, on va essayer cette forme ce matin. Vraiment, que je vais faire dépasser un tout petit peu. Qu'après, je la récupère. Voilà, je vais d'abord bien. Voilà, on va venir. Hop. Voilà, vous voyez, j'utilise un crayon marron, mes amours. Voilà, je fais bien le grand d'abord là, comme c'est pour les fêtes. Et qui dit fête, voilà, dit on exagère un tout petit peu dans le maquillage pour les fêtes, surtout pour Noël.
Ah, que les enfants adorent Noël. En fait, pas les enfants. Moi, j'adore Noël parce que j'adore les cadeaux. Voilà. Ben voilà, oui. Donc là, hop, on va monter comme ça, légèrement. Et on va tout simplement faire ça. Voilà. Vous voyez comme il est bien gros là-devant. C'est fait exprès. Voilà, c'est pour changer vraiment. Voilà, de celui d'ordinaire qu'on fait habituellement. Voilà, c'est pour donner, voilà, un truc vraiment festif, quoi. C'est pour dire vraiment, c'est festif, c'est pour la fête. Voilà, c'est différent. Oui, je suis maquillée un peu de trop, un peu différent, un peu exagéré. Et je vais prendre ma brosse, voilà. Même si les sourcils et moi, quoi, ça, je n'ai pas assez. Comme j'ai dit, j'ai opté pour un tatouage. Voilà, donc j'avais enlevé mes sourcils. Mais voilà. Hop. Donc là, je vais venir diminuer légèrement. Alors, d'habitude, je veux le petit truc. Je sais pas où aller. Au salon. Et on va pas te chercher. On va utiliser nos doigts. Ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà mes amours, je ne sais pas si vous voyez le résultat comme moi. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment joli, c'est très très beau. Voilà. C'est beau mes amours. Donc, on va s'arrêter là. Hop. Alors, comme je dis, c'est pour les fêtes. On va prendre maintenant notre fard à paupières. Et ce qu'on va utiliser, on va tout d'abord commencer franchement. Par le blanc, mais vraiment un blanc blanc. Et voilà, on va prendre plutôt dans ce trousseau, on va prendre un blanc pour venir donner juste un petit éclat légèrement là. Voilà, vous voyez le blanc que vous allez estomper un tout petit peu. Voilà, on va venir. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va venir bien l'estomper tout à l'heure. Voilà, on va ajouter un tout petit peu quand même. Voilà. Et on va l'estomper tout tranquillement avec notre doigt. Voilà. N'hésitez pas à utiliser vos doigts, mes amours. C'est pas bon d'utiliser tout le temps le doigt sur le visage, mais en vous maquillant pour bien estomper, vous n'avez pas besoin forcément de tous les brosses ou les pinceaux. Vous pouvez utiliser vraiment vos doigts. N'hésitez pas, mes amours. Voilà. Fait ça. On va chercher une couleur, mais vraiment une couleur un peu. Cette fois-ci, une couleur un peu violet, mes amours. Mais vraiment, voilà, un violet qu'on va prendre. Ça va être celui-ci, cette couleur-là. Voilà, on va prendre ce violet. Alors, tac, tac, mon pinceau. Là, j'espère qu'il ne contient pas trop de matière noire. Je vais enlever. Voilà. Hop, hop. On va se faire belle pour Noël. Ah, c'est bon, rien qu'en pensant que les fêtes, les cadeaux et tout, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir, mes amours. Voilà, on va venir utiliser un violet. Voilà, qu'on va prendre ce violet. Et qu'on va partir du coin de l'œil. Là. Je sais pas si vous les voyez vraiment, mes amours. C'est un beau violet. Qu'on va venir vraiment là, au creux de l'œil. Vraiment au creux de l'œil, voilà, vous faites votre point de départ et hop. Vraiment, c'est un beau violet, il est très 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 beau. Voilà, mes amours. Alors maintenant, on va prendre sur notre violet, on va prendre un tout petit peu du marron et qu'on va mettre ensemble un tout petit peu du marron
que vous allez venir mélanger sur le violet. Voilà. Là, à cause de la lumière, on a l'impression que c'est du doré, mais je vous promets que ce n'est pas du doré. Tout à l'heure, je vais soulever bien l'appareil pour qu'on puisse bien voir. Voilà, c'est un peu le mélange du violet et du marron. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer un peu les amours. Ok, la lumière. Voilà, c'est vraiment un beau mélange. C'est un mélange du violet et du marron. Je cherche la bonne position de... Oh là là, je galère avec la lumière. Tant que c'est pas la lumière du jour, et c'est un peu compliqué. Il faut que je change mes ampoules, je crois. Voilà, donc c'est un mélange du violet et du marron, mes amours. Voilà, comme vous pouvez le constater. Et qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, pour le Noël. La Noël, elle est perdue, hein, cette fille-là, elle comprend pas trop les là, les. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dans ses, avec eux. Alors, voilà, mes amours, on va venir utiliser. Tac, 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 il est où le petit pinceau que je voulais utiliser? Bon, je vais utiliser, non, il est trop grand celui-là. Ah, voilà, tout simplement, je vais utiliser mon doigt encore. Mon petit doigt qui me dit de prendre une couleur, on va prendre vraiment d'argenté, une couleur argentée qu'on va venir poser là. Voilà, on va pas aller du doré, voilà. Pour Noël, on va pas aller pour le doré. On va se permettre de descendre un peu dans le coin de là. Voilà, vous pouvez vous le permettre, voilà. Vous voyez, mes amours, voilà, c'est une couleur argentée qu'on va venir mettre là. Je vous dis pas à quelle heure je vous fais ce maquillage, mes amours. Je crois qu'il est 5 h et quelques du matin, quoi. La go, elle est un peu fade, hein? Voilà, c'est pour votre plaisir. Voilà, j'en ai envie de le faire à 7 h. Donc, je décide de le faire. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'heure pour se maquiller, hein, franchement. Et surtout si c'est pour vous, mes amours, je suis prête à le faire. Voilà, donc vous voyez, vous venez prendre, franchement, en toute tranquillité, l'argenté. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Vous prenez votre argenté. Voilà, légèrement, on peut estomper là. Voilà, mes amours, vous voyez un peu mesurer. Pour Noël, n'hésitez pas de mettre cette couleur. Voilà, l'argenté. Et là, on va venir à notre eyeliner. Voilà. Mais avant de mettre le eyeliner, on va encore briller un tout petit peu. Mais vraiment, quand je dis un tout petit peu, légèrement de brillance argentée qu'on va mettre sur ce qu'on a mis déjà. Mais vraiment, là, légèrement. Tac, mais vraiment, à peine je mets mon doigt, même je fais comme ça. Voilà. Et ça donne... Ça, c'est beau pour Noël, vous voyez, mes amours. Ça donne une couleur vraiment superbe. Les yeux, ils sont beaux pour Noël. Ils sont prêts à faire la fête. Ils sont prêts à recevoir. Oh, que mon cadeau est beau! J'adore les cadeaux que j'ai reçus. Oh là 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 là. Même si souvent on n'aime pas, c'est pas vrai. Mais bon, allez, voilà, on a fini là. On va faire maintenant le. On va prendre notre eyeliner d'abord, qu'on va venir. Prendre notre point de départ ici au milieu aujourd'hui. Voilà. Et qu'on va venir tracer notre éléonore.
j'ai toujours ce petit défaut avec les nerfs. C'est les nerfs qui est difficile à tracer, voilà. Comme on ne va pas se faire chier quand il décolle, il ne faut pas hésiter à les modifier, mes amours. Ça ne dérange pas. Quand ça déconne, arrangez-vous, arrangez-vous. Ne laissez pas les petits défauts. Arrangez les petits défauts, mes amours, tranquillement. On va repartir des bonnes bases. Voilà, ça suffit. Hop. Voilà, je place mon eyeliner. Tranquille, mes amours. On va chercher notre mascara. Where are you? Hi, mascara. Where are you? Il ne veut pas parler. Je ne peux pas me dire où il se trouve, le mascara. Je n'ai aucune idée. J'ai tellement fait de maquillage que je ne sais pas exactement où il se trouve, le mascara. Où est-ce que tu es? S'il te plaît, je peux t'avoir, moi? Je ne sais pas où il se trouve, le mascara. Alors, tu peux me dire où tu te caches, le petit mascara? Je vais pas me dire où se cache le mascara. Excusez-moi, les amours. Entre-temps, vous voyez, voilà l'image. Vous voyez, mes amours, le temps que je cherche le mascara. Voilà, vous voyez ce que ça donne, vraiment. Vous voyez, les yeux, ils sont superbes, superbes, superbes. Voilà, je vais trouver le mascara. Youpi! J'ai trouvé le mascara. L'Oréal, voilà, vous voyez, c'est chez lui, L'Oréal. Il est super bien, il est super celui-là, je l'adore. C'est mon préféré, franchement, c'est mon préféré. Pas parce que, tout simplement à cause de la marque, mais parce qu'il est bien, voilà. Et comme j'ai dit, mes cils, ils ont poussé d'une manière incroyable. Merci la vaseline. Voilà mes amours, voilà. Quand on vous donne souvent les petits secrets, s'il vous plaît, mes amours, essayez. Essayez de voir au moins quelques temps si ça marche pas et tu vous dis bon tant pis. Écoutez, ça marche forcément pas sur tout le monde. Quand tu as fait des choses sur 100 personnes, des fois on a 50, 60, 70, 80, 90% sur lesquels ça marche et d'autres pas. Voilà. Donc pourquoi pas ne pas essayer, même si ça marche pas, on s'arrête. Mais moi, franchement, je les cils souhaités, quoi. Regardez vous-même, mes amours, vous voyez? Vous voyez comme je peux les ramasser, mes cils. Avant, ils étaient plus courts que ça. Vous voyez, là, je fais des ça. C'est ce que je veux. Franchement, c'est super, super. Et c'est grâce à la vaseline. Voilà, ils sont beaux, mes yeux. Et aujourd'hui, je vais utiliser un truc de mes yeux. Quand on était petite, franchement, c'est ce qu'on nous utilisait. Et je l'ai retrouvé. Je ne savais pas que je pouvais trouver ça ici à Marseille. Voilà, d'habitude, c'était au Niger. Voilà, et c'est nos mamans nous utilisaient ça dans les yeux depuis bébé, d'ailleurs. On mettait ça depuis bébé. Et moi, j'étais très habituée à ça quand j'étais au pays. Je me maquillais très souvent avec ça. Voilà. Vous voyez ça? Ça facilite quoi? Putain, c'est trop beau. Vous voyez, ça donne les yeux vraiment super. Ok, bisous à toutes les mamans du monde entier. Elles ont des petits secrets, mais nous, on ne savait pas que ça faisait du bien. On pensait que voilà, c'était des trucs à l'ancienne. Mais non, comme ça trace, moi, je l'ai trouvé maintenant au marché arabe, ici à Marseille, pour ceux qui en ont besoin. C'est tellement facile à tracer, même que vous n'avez pas les traits Elena, vous voyez, vous pouvez en suivre avec. C'est superbe, quoi. C'est superbe, je l'adore. Je l'adore, voilà, vous voyez. Là, franchement, il fait un trait incroyable sur la muqueuse, mais vraiment un trait très fin et ça donne des beaux yeux. Oh là 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 là, mes amours. Ok, Noël sera belle, vous voyez. C'est très joli, voilà. Les yeux, mes amours, c'est terminé. On va pas changer aujourd'hui. Les yeux s'arrêtent là, tout beau. Pratique, génial, super. Je dis comme ça, bravo. Voilà mes amours. Et pour Noël, surtout utilisez le rouge à lèvres, mais vraiment rouge, des cheveux rouges, quoi. Pardon. Pardon, monsieur, le rouge à lèvres. Voilà, utilisez vraiment un rouge, rouge, rouge.
Voilà. Vous voyez? Voilà. Pour Noël, franchement, mes amours, utilisez ce rouge à lèvres. Je vous le conseille. Moi, franchement, je vous dis, utilisez vraiment le vôtre, hein, le rouge à lèvres, rouge, rouge. Et on va revenir, voilà, sur notre paillette argentée. Voilà, qu'on va prendre légèrement, mais légèrement qu'on va prendre celui de tout à l'heure. Hop. Voilà. Alors, c'est beau, hein? Alors, on va prendre l'argenté de tout à l'heure et qu'on va venir placer légèrement sur notre rouge à lèvres. Voilà, mes amours, ça lui donne une petite partie brillante, vous voyez? Voilà. Et vraiment, vous prenez juste un tout petit peu. Voilà. Laissez se faire voir légèrement. Et voilà, ça donne une petite brillance à notre rouge à lèvres. Et c'est très, très beau. C'est vraiment joli. Voilà. Maintenant, les amours, on va venir, voilà, tout simplement, éclairer un peu plus notre visage pour Noël. Voilà. C'est pour Noël. Et on va venir éclairer. Franchement, je suis très satisfaite de ce maquillage Noël. Merci les amours qui m'ont demandé. Et le maquillage Noël, l'idée ne m'est pas trop venir en tête, hein, voilà, de faire ce maquillage pour Noël. C'est vraiment super. C'est beau. Voilà, on utilise du marron. Et vraiment, c'est bon pour les teintes mates et tout. C'est très joli. Mon contouring, il est tout simplement génial. Ben voilà, allez, on va pas tracer faire ça. Allez, c'est pour rigoler. Bon, mes amours, franchement, je trouve que c'est super, super, super. Tout ce qui vous reste, c'est d'éclairer maintenant votre visage. Voilà. Et comme c'est Noël, on va bien éclairer notre visage. Et surtout ce point de nez que j'adore faire. Voilà. Et là, faire mon petit truc. Vous voyez? Ah là là. Déjà que je pas, vous savez, les pelles, on a des bonnes. Hein? La couleur, c'est la joie. Et déjà, mais ça donne vraiment, ça permet d'avoir un bonnet bien très joli. Surtout quand vous avez un nez un peu plus épaté que le mien. Voilà. Et là, on va venir juste en haut de la pommette. On va éliminer en haut de notre pommette. Juste là, voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mis assez d'anti-cerne, voilà. Parce que je ne vais pas mettre là, je vais mettre juste l'éliminateur en haut de ma pommette, voilà. Juste là. Je ne vais pas le mettre là, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'anti-cerne tout à l'heure, vous l'avez remarqué. Voilà, pour faire ressortir les deux beautés. Oh là là, quelle beauté. Oh là là, que c'est beau, mes amours. Franchement, je vous l'ai dit, c'est très joli. Et on va venir un peu en haut, hop, avec cette brosse. Voilà, on va venir éclairer un peu. J'adore ici aussi mettre un peu au cou, juste au-dessus de mes lèvres, que j'aime faire des fois avec mon doigt. Voilà, mes amours, vous voyez, c'est vraiment très, très joli. Voilà, mes amours, exactement, vraiment le maquillage souhaité pour Noël. Voilà, vous voyez, c'est hyper beau. Franchement, les amours, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Je vous promets que c'est très, très, très beau. C'est très joli. Voilà, vraiment, pour Noël, c'est ce qu'il vous faut, mes amours. Mettez de l'argenté, ne mettez pas du doré pour Noël sur les yeux. Mettez de l'argenté, un peu de crayon. Voilà, le noir là sur les yeux. Voilà. Et le rouge, vraiment rouge, rouge. Et voilà, ça donne vraiment ce que vous voyez. C'est très joli. Voilà, on va venir pour tout balayer. On va encore en mettre un tout petit peu légèrement, vraiment, de poudre. Cette fois-ci, on va pas prendre la même poudre que tout à l'heure. On va prendre une petite poudre un peu. D'accord, un peu clair. Juste l'histoire de balayer un peu le contouring et tout le bazar qu'on a fait tout à l'heure.
Voilà, juste une petite poudre pour venir vraiment. Juste ce côté, hein, voilà. Hop, on va venir balayer légèrement pour avoir un visage vraiment. Voilà. Vous voyez mon visage, il est uniformisé, il est très beau, voilà. Vous voyez quand vous descendez les yeux, c'est ce que ça donne. Franchement, c'est un très beau maquillage, léger, très joli, très frais. Franchement, pour Noël, il n'y a pas meilleur, mes amours. Voilà. Et pour finir, vous prenez votre bombe. Voilà. Alors, il ne faut pas hésiter de bien remuer. Et pour ça, il faut mettre au moins à 20 mètres du visage. Voilà, pour fixer votre maquillage. Vous voyez, mes amours. Et c'est fait, ça n'est fini. Voilà. On va poser ça et on va descendre. Voilà, j'ai enlevé notre tissage. Voilà, mes amours. Je vais voir avec ça ce que ça donne. Voilà, mes amours. Mon maquillage est fini. Je suis prête pour Noël. Franchement, je vais vous dire. Ben voilà, je vous dis, j'ai enlevé mon tissage cette nuit-là. Et là, voilà, j'ai dû mettre une perruque. Voilà, c'est une perruque. Vous savez, voilà, j'ai pas trop de filtres, moi. Hein, voilà, les gens vont dire sûrement, n'est pas obligé de dire que c'est une perruque. Ça fait comme un tissage, c'est très beau. Mais ben, moi, franchement, je vous cache rien, mes amours. Et comme je l'ai dit, je suis sans filtre. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, quelqu'un, il arrive comme ça, vraiment. Votre homme, je sais pas, les gens avec qui en famille vous fêtez Noël ensemble, voilà, je sais pas combien, avec qui, avec la belle famille souvent, avec, je sais pas, tout dépend de chaque famille, voilà, et franchement, comme ça, vous sortez, vous êtes fraîche, vous êtes belle, vous êtes super belle, voilà, c'est génial, c'est génial, c'est très joli. Et n'oubliez pas, tous les amours, le parfum, c'est très bon aussi. Parfumez-vous, mettez du bon parfum. Franchement, j'adore ces, oh là là, ces maquillages Noël. Voilà, on m'avait demandé de les faire et je trouve, j'ai claqué. Les challenges est gagné, c'est super. J'adore, mes amours. Moi, je sais pas vous. Voilà, mes amours, c'était HBM Bizin. Voilà pour votre maquillage Noël. Franchement, c'est très joli. Voilà, je vous souhaite toutes et tous une très 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 bonne fête. Même si on va revenir encore pour une centaine de maquillages, sûrement avant Noël. Là, j'adore cette perruque là. Oh là là, ça les fait. Hein? Voilà. Ça le fait. Voilà, mes amours, je vous aime, je vous aime, je vous adore. Voilà, je vous dis, voilà. Bisous de moi, c'était HBM Bizin. Surtout, abonnez-vous, mes amours, abonnez-vous. Mettez-moi un pouce, un like, s'il vous plaît. Likez un peu ma vidéo, si ça vous plaît, bien sûr. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là, mes amours. On va avancer tous ensemble. On va faire plein d'horaires. On va réduire beaucoup de choses. On va ajouter beaucoup de choses. Et on va avancer tous ensemble. On va grandir, je veux dire, ensemble. C'est très important. Bisous, mes amours. Je vous aime très, très fort. Et je suis très heureuse de partager cette vidéo avec vous. Bisous de moi.